Salut à tous, nous y sommes, cette finale tant attendue, alors que tous les championnats européens ont désigné leur vainqueur, il est temps de sacrer le champion ultime. Après les éliminatoires l'été dernier, la phase de groupe, ses petites surprises, et puis les tours à élimination directe, riches en émotions et en matchs magnifiques, il est temps de vivre ce match qui va être regardé par plus de 300 millions de spectateurs à travers le monde. Ça débute dans quelques secondes. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Bien, nous y sommes presque. Dites-moi Darren, vous la sentez comment cette finale? Je pense qu'on a tous les ingrédients pour un très grand match. Le public est chauffé à blanc, les joueurs sont ultra motivés, et au bout, il y a un titre de champion d'Europe à aller chercher. Ça ne nous aura pas échappé, le match a bien débuté. Roberto Firmino! Oh, le gardien est là, la classe! C'est un super arrêt, fine save! Kovacic, Azpilicueta, il est passé, le centre est tendu, bien joué de la part du défenseur, corner. Le corner est joué court. Wijnaldum. Dommage, c'est intercepté. Emerson. Higuain. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il cherchait la profondeur, mais enfin. Higuain. Quelle inspiration! Ça manque de précision. Dommage, ça aurait été un superbe but s'il était entré. La Lazio qui peut avancer. Allez. Derrière. Ça joue à gauche. Il allonge vers l'avant. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Mané. Duel épaule contre épaule. Vous avez remarqué quand les latéraux montent quoi? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Wijnaldum. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La passe dans la profondeur. Ouf, un peu d'air. Kovacic. Emerson qui cherche la profondeur. Ça peut être extrêmement dangereux. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. Bien joué ça. C'est bien fait ça. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Les deux équipes se neutralisent. D'ailleurs, il tente de la jouer dans l'espace. Un centre. Roberto Firmino. Et le corner à suivre. Ce ballon dans l'axe. C'est dégagé. La passe en retrait vers son défenseur. Ali. Wijnaldum. Wijnaldum. Et l'arrêt, magnifique. Oui, il était bien concentré. Bravo.
Ça ne passe pas. Derrière. Pour trouver la faille dans la défense. C'est parfait, magnifique. Ali, quelle occasion, attention! Et but pour la Lazio! Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Ça pourrait être le tournant du match, un but importantissime. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Et désormais, il en est à 3 buts dans la compétition. Voilà le match définitivement lancé. C'est toujours très important de marquer le premier but, bien sûr, mais surtout dans une finale. Voici Roberto Firmino. Oh, ces deux-là ne se lâchent plus. Le ballon est repoussé. Jiménez. On approche de la pause avec ce léger avantage. C'est solide défensivement, en tout cas. Ils n'ont même pas concédé un seul tir, alors qu'on est quasiment à la mi-temps. La Lazio qui cherche l'étincelle. Il décide d'allonger le jeu. C'est joué long, attention. Et le centre bien placé. Un ballon dégagé très loin. La bonne passe. Belle passe lobée. Bon, voici Pedro. L'arbitre signale une faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Voici Roberto Firmino. C'était un geste décisif, ce tacle. C'est la mi-temps dans cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale, alors premier bilan. Il mène au score et c'est plutôt mérité au vu de cette première période. Mais bon, il reste encore beaucoup de temps, alors faut pas trop s'emballer. Tout peut aller très vite. La Lazio, qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. Et il donne le coup d'envoi. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Ali. Et ça va vite sur l'aile gauche. Il remporte son duel. Bon, voici Pedro. Meunier. Ronaldo, qui a donc offert un but à son coéquipier. Long ballon dans le sens du jeu. Derrière. Ali, qui choisit le côté gauche. Il joue dans l'espace. La passe est précise. Ce ballon dans la boîte. Danger repoussé pour le moment. Oui, la frappe. Tout mis dans sa frappe, mais pas de précision. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Ça joue à gauche. Meunier qui récupère ce ballon. Chelsea qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même... Allez, c'est dangereux! Oh, c'est un arrêt important, ça! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi.
Dernière tentative. Quelle intervention du gardien. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Il préfère le jouer court. La frappe. Il met le ballon dans la surface. Il est signalé en position de hors-jeu. Le long dégagement du gardien. Il était bien présent. Mané. Chelsea qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Un centre au cordeau. La passe en profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Ça joue long vers l'avant. C'est joué derrière. Il glisse le ballon en profondeur. Un long ballon vers l'avant. C'est récupéré facilement. L'ouverture lumineuse. Il tente sa chance. Bien repoussé par le gardien. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Il est passé. Bon, voici Pedro. Mané. Ils obtiennent un coup franc. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Directement. Jouer court à deux. Oh, l'occasion! Le but, il vaut de l'or! Quelle est importante cette égalisation! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur! Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Higuain. La passe dans la profondeur. Ça passe à droite. Et il poursuit son accélération. Il tente de la jouer dans l'espace. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Cahill. Oh, il a bien vu son coéquipier. Trouver la faille dans la défense. Il est à distance. Attention, la frappe. Aucun danger pour le gardien. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Higuain. Qui choisit le côté gauche. Ça joue à gauche. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est joué long, attention. On joue sur l'aile, il est servi. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Oh, quel geste! Il fait du bien ce tacle. Ça va soulager un peu. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas! Il joue dans l'espace. Le bon dribble. Higuain. Ils ont une autre chance. Occasion manquée. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Il est fini, crevé, carbon, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire, ça. Trouver la faille dans la défense. L'interception au bon moment.
Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Non, il n'a pas joué le ballon là. Et il prend donc un carton jaune. C'est dégagé, loin devant. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Pedro. Ce contre peut très bien aller au bout. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il avait déjà été averti, c'est l'exclusion. Non, il n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais ça ne lui enlèvera pas son carton. La Lazio, qui va donc jouer à 10 après cette exclusion. Cahill. Azpilicueta. Pedro. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il tente de la jouer dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Elle continue sa course. Il a tenté, bien joué. Dans le paquet. Centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il faut y aller, plus de temps à perdre. La défense s'en sort là. Et c'est directement récupéré. C'est joué long. Bonne interception, il y avait danger. C'est en prolongation que ces deux équipes vont se départager. Aucune des équipes n'a su faire la différence. C'était très disputé, on a quand même passé un bon moment. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager dans le temps additionnel. On va donc vivre une prolongation.
envoi a été donné. Rüdiger. L'arbitre siffle une faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Attention quand même à ne pas multiplier les fautes, ça pourrait leur coûter très cher. Christensen. Ça fait Roberto. Ça manque de soutien. Rüdiger. Cahill. Un peu d'air. Christensen. Mané. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il joue dans l'espace. Et bonne intervention. Attention, coup franc dangereux à suivre. C'est joué long, attention. Oh, c'est bien joué. Gabriel Jesus! Comment a-t-il pu manquer ça? Cahill. Azpilicueta. La passe dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Higuain! Il tente de la jouer dans l'espace. Jiménez. Wijnaldum. La Lazio qui cherche l'ouverture. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien fait. Qui est bien placé. Il envoie le ballon dans l'axe. Le bon dégagement. Oh, voici Pedro. Il passe en retrait au gardien. Le gardien loin devant. On est à la moitié de cette prolongation. Rien n'est fait dans ce match. Tout reste encore possible dans ces 15 dernières minutes. Il y a de plus en plus d'espace. C'est parti, on y est. Les deux équipes n'ont plus que 15 minutes pour faire la différence. Ça fait Roberto. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il est passé. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Ali, qui est récompensé de son pressing. Le long dégagement du gardien. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Wijnaldum, qui cherche la faille. Pour trouver la faille dans la défense. Bien, la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Le corner pour la Lazio. Et bien sûr, s'appliquer l'importance des coups de pied arrêtés. Danger repoussé pour le moment. Wijnaldum, il peut frapper. Quel geste de Wijnaldum! Et ça fait toute la différence. Quelle grosse frappe, et pourtant il était loin. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. Il faut continuer maintenant. Voilà une nouvelle preuve de leur caractère. Avec une telle confiance, on soulève des montagnes. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. C'est bien donné. Ali. Il glisse le ballon en profondeur. La frappe. Oh, la frappe!
poussé. La même occasion et c'est toujours le même résultat. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Et ce corner à la rémoise. Et il y va! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le garde. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Voilà, ils y sont et on comprend leur joie. Bien sûr, c'est un rêve, un jour, pour tout footballeur de brandir cette coupe. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe.